Yo tout le monde, c'est Thiob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour le nouvel épisode de Victoria 3 dans lequel nous jouons la France avec l'objectif conquête totale de l'Afrique. J'ai renommé l'Afrique aux couleurs de la France, l'Afrique rose. On s'est arrêté la dernière fois, on avait défendu l'Ukraine. On avait pris quelques états là et on avait surtout subjugué le Damagaran et le Bornou. Va falloir faire rapide, on n'a plus que 30 ans. Et ça va très vite, ça va très très vite. Le roi d'ail, on commence par le roi d'ail, on commence par le roi d'ail. Allez, on ferme l'état fantoche. On va faire une petite sauvegarde quand même. Comme d'habitude. Vous avez l'habitude, j'en ai besoin. Et pour mon let's play, et si jamais je foire totalement, je fais une grosse connerie. Ça me permet d'avoir un rappel. La Prusse pourrait les rejoindre, bah qu'ils viennent, écoute. Ça me pose pas trop de problèmes. Enfin, ça ralentirait en vrai. Le seul problème, c'est que ça me ralentirait. Mais c'est tout. Le reste, je m'en fiche un peu. Dans les Andes, Bolivie et Bolivie. Ok. Bolivie et Bolivie communiste. Ok, bon, voilà, ils essaient de. Ouais, bah voilà. Le Wadaï a arrêté. On va faire un pays fantoche du Bagirmi. On enchaînera sur le Darfour. Et ensuite on partira sur les petits pays là. Tu mets sous embargo, bah très bien, moi aussi. Tu feras attention, tu n'auras plus de navire hein, par contre. C'est ça que je vais faire. Mettre sous embargo, voilà. Ils sont encore. Je les ai oubliés, c'est pas grave. Ah, Mauritanie intérieure, on a du pétrole, ça. Enfin. Enfin, parce que là. On a besoin. Mauritanie intérieure, 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 intérieure. Si, si, très bien. Ah ouais, bah. Ouais, super. On a un de plus. Ouais, lui il m'en pique, c'est ça? Il m'en pique deux. Ça. On ira les rechercher, c'est pas grave. Quand on n'a pas trop de trucs négatifs, ça me va. Au niveau de l'accès au marché, on n'a pas de problème d'accès. Enfin, si, il y a eux, mais bon. On a de quoi faire. Le plus dangereux des gibiers. Et il était chassé comme un animal par les aristocrates. C'est qui ça? Dans le tour de l'expédition en safari, Adélaïde Freycinet a été abandonnée sur une petite île des Indes occidentales. Elle a été chassée comme un animal par aristocrate d'origine belge, Mathias Dubois. Roland. Formidable, l'un de nous va préparer un repas pour les chiens. L'autre dormira dans un très bon lit. En garde, Adélaïde. Mathias machin gna gna meurt. Pays Belgique. Bien fait ça. Non mais on n'a rien à demander en plus, c'est ouf. Cyprien Cousin Montauban. Cousin Montauban, c'est ton nom de famille? C'est original. Un nom de ville dans le nom de famille, c'est original, moi je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. Ok. Et on va faire le Darfour maintenant. Donc on va faire un pays fantoche, voilà. Fantoche ou... À conquérir l'État, ça ira plus vite. Ouais. On va clairement conquérir l'État. Ce sera plus rapide, plus efficace. Que lui c'est un état unique. Pour les autres pays, par exemple le Wadaï, le Sokoto ou le Bornou qui sont en deux états, c'est mieux de le faire en annexation, parce qu'après j'ai juste à subjuguer, pardon, parce qu'après j'ai juste à annexer. Voilà.
Donc subjuguer, en faire devenir un sujet ou je sais plus comment ça s'appelle. Ouais, faire un sujet, il me semble, c'est ça. Et le sujet, bah, enfin, annexer, me prendre, enfin, faire entrer tous les territoires, par exemple, les quatre territoires du Sokoto. Alors que sinon, il va me donner, bah, vu qu'il a peur, il va me donner un territoire par un territoire. Bon, autant dire, c'est chiant. C'est très chiant. La Chantilly. Je m'occuperai de vous plus tard, les gars. Congo, on va dégrader les relations. Royaume de Myrina, on va dégrader les relations. Ok, on a la Darfour. Voilà, par exemple, là, si j'annexe le Congo, qui a deux États, je vais annexer le sujet, bah, je vais avoir les deux États d'un coup. Et ça, c'est bien. Faible accès au marché au Darfour. Ah oui, forcément. Oh, mais il a du bétail. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, attends, j'ai même pas incorporé. Il y a plein de... Je suis sûr, il y a plein d'endroits que j'ai pas incorporé. Ah ouais, j'avais totalement oublié là. J'ai de l'incorporation à faire. Allez hop, 21 ans d'incorporation, les gars. Les états de trêve. Ah oui. Je vous ai un peu oublié, désolé, vous aussi. Ce sont des choses qui arrivent, mais on voulait pas. Hein. Allez, Congo, vous allez voir, on est bien mieux chez moi là. Il y aura le Congo britannique à prendre. Bientôt le Portugal, je pense que. On a bientôt une fin de trêve avec eux. C'est quand? 2 ans. Ah ouais, quand même. Et les Anglais. Ah, pareil. On a de l'infanterie escouade. Ok. On a de l'infanterie escouade. Ah, ça demande les radios. Oui, les fameuses radios. On va tout mettre en tranchée pour l'instant et on passera en infanterie escouade juste après. Quand on aura augmenté nos productions de radio. Ah, on va pas passer, oui, on va passer là comme ça on s'en fiche. Et ça, dirigé par le gouvernement. Voilà, port, tous les ports sont des ports industriels. Allez, abandonne, on sait très bien que tu vas abandonner, mon ami. Que je découvre en Costa Rica, ok. Voilà. Toi, je te garde dans le coin de l'œil. Là, ça va être chaud, par contre. Il y a tellement de petits pays, ça va être très compliqué de tous les prendre. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, déjà mieux, mais là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 13. Ok, c'est bon. Ouais. Et il y a de l'état multiple aussi sur certains. Ouais. Il y en a deux que je vais devoir subjuguer. C'est pas grave. Allez, Biruni, conquérir l'état. Hop là, conquérir l'état, voilà. On va y envoyer quelques troupes. Putain, les pauvres. Là, je leur envoie 200 000 troupes. Ok. Je leur envoie l'équivalent de un peu moins d'un tiers de leur population. Allez, 30, 27-30% de leur population. Oh merde. C'est ouf. C'est chaud, ça brûle, comment dire. Oh, une petite révolution ici, ok. L'Autriche, soutien, on s'en fout. Rien à foutre. Par contre, c'est le Karagwe. Soutien, on va voir. Bon, l'Autriche va très vite abandonner, de toute façon, on ne peut rien faire. Là, c'est dans les terres, elle pourra même pas envoyer de renfort ou quoi que ce soit. Ça, on s'en fiche. Hop là, merci.
On a encore 5 territoires à prendre à l'anglais. 5x5, 25, ça va être tendu hein, au niveau du temps. 25, 25 ans à partir de 9, donc ça va arriver en 36. Oh merde! Ah, ça va jouer à rien, mais ça va pas être bon pour pour les territoires anglais. Le dernier territoire, il faudrait que je le prenne en 36, ça s'arrête en 36, en le 1er janvier 36. Pas de chance! Voilà, eux ils ont abandonné et là. Ouais, c'est bon. On continue, hein. Hop, confirmé. Voilà, là ils soutiennent plus, hein. Ils sont pas bêtes. Ils sont pas fous. Enfin, certains si, mais pas tous. Portugal, ce sera bon, il reste 2-3 territoires là si je compte ça. L'Espagne, faudrait que j'aille reprendre les îles aussi. Les Canaries, c'est ça? Ouais. Zanzibar. Mon ami Zanzibar, t'es téméraire. Hein. Bon, ce sera toujours moins pire pour l'instant qu'une partie sur laquelle j'ai fini avec plus de 420 d'affamés. Montrer sur les armements russes. Prusse. Polonais. Attends, quoi? Oui, c'est vrai que t'as la Pologne. Non, il est où la Pologne? Elle est là. Seulement polonais. Ah, en Prusse. Oh, ok. L'Autriche soutient le soulèvement polonais en Prusse. Ok. Moi, je m'en fiche. C'est pas mes oignons. Ok, bon il va abandonner, lui il laisse juste passer du temps mais il pourra rien faire d'autre. Le Zanzibar, on va aller te prendre avant les autres. Parce que toi t'es venu les aider. Regarde, hop là. Quelle idée. Non mais je t'apprends la vie. Hein. Tu vas voir les autres ils vont pas t'aider pour autant. Hein. Le Caraguay a renoncé, très bien. Voilà, ça rentre dans la province du Tanganyika. Accident minier, cette exploitation scandaleuse de l'homme, du peuple, ne peut pas continuer. Ça donne du soutien aux classes travailleurs. Ah oui, oui. Mais ça, tu te plais pour l'homme et la campagne. Voilà, parfait. Ah bah si, ils viennent t'aider. Ils sont un peu bêtes. Mais c'est pas les mêmes. Quoique. Ah bah, ils viennent t'aider. Oh, ils sont mignons, mais tu vas abandonner, donc ça sert à rien que je demande d'autres territoires, quoi. On voit des petites troupes là, hop là, 8, 5 et 5, ça fera l'affaire. On voit les Corses. Ah, les Corses. Vous êtes... Ah, il y a un peu plus de monde là sur votre île. Hein. 320 000. Ouais, voilà. Bingo. Il a abandonné. Allez, suivant. On a fait 3, il nous reste 2, 4, 5. Oh, du pétrole en Darfour. Super ça. Hop. Je veux plus de bétail là, je veux tout le monde dans. Tout le monde au pétrole. Le bétail, c'est pas intéressant. Le pétrole, ça c'est intéressant, c'est l'avenir. Ah, Zanzibar, Zanzibar, on va avoir besoin de faire une voie ferrée. Très bien. Le Bouganda soutient, blablabla, on s'en fout. Hop là, coucou. Hop là, coucou. Hop là, coucou. Voilà. Ah bah y en a un autre. Ah bah ils sont motivés. Hein. C'est bien, vous êtes motivés. Mais vous finirez tous annexés, hein. Vous en faites pas les gars. Pas de jaloux. Je suis gentil quand même. Aucun jaloux.
Encore un soulèvement, ok. Bien faire attention à voilà, bien baisser les relations. Ils n'ont pas encore abandonné, eux? Moins 62. Ouais. Il y aura l'Égypte, tout ça, aller chercher aussi. Hein. Hop là. Arrêtez, arrêtez. Oui, oui, c'est bon, j'ai compris, il y a du pop-up, il y a du pop-up. On arrête, on arrête. Les notifications, c'est chiant. Oui, encourageons. Banjar. C'est quoi le Banjar? Non. Ça m'intéresse pas. J'ai pas vu où était le pétrole à cause de ça. J'ai totalement oublié. Mauritanie, non. Sahara. Tripoli, non. Ah, peut-être là. Sahara oriental. Ok, c'était dans le Sahara oriental. Parfait, parfait, parfait. Oui, je crois que j'ai augmenté assez la production de radio. Pour faire de l'infanterie escouade maintenant. J'espère. J'espère. Sinon, pas ouf. Hop, port industriel. On va voir, on va voir. Le militaire coûteux. Ok, là, ça veut dire que la radio n'est même pas considérée comme coûteuse. Effectivement, la radio n'est pas considérée comme coûteuse. C'est cool. Oui, oui, vous en faites pas, je viens vous chercher. Je viens vous chercher. Pas besoin de me rappeler que vous êtes là, les gars. Hein. J'arrive. Je sais même pas combien ils ont en tout cumulé, ils ont 4, 9, c'est du quel côté eux? Ok, 25, 30. Ils ont 30. Ils ont cumulé, ils ont 30 péons quoi. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Et encore, j'ai même pas une armée si puissante que ça, j'ai quoi? J'ai 483 unités terrestres, moins de 200, enfin 169 unités navales. Elle est pas si forte que ça. Hein. Allez, plus que 3. On y arrive. Non, c'est pas fait. C'est pas pile fantoche que je faisais. Conquérir l'état. Voilà. On va relancer les constructions. Hein. Électricité. Ah. J'en manque 6000 quand même. Ah ouais, je suis en déf de 6000 d'électricité. Hein. Bah, on a ce qu'il faut, on offre, on a ce qu'il faut, on offre. Voilà, plus 2000. Hein. Au niveau des moteurs, ça suit ou ça suit pas? Je pourrais faire des moteurs électriques. Ça me consomme de l'électricité, mais ça m'en produit plus. C'est ce qu'on va faire. Voilà. Ah. On va le subventionner le temps que ça passe. Là, j'en ai peut-être fait un petit peu trop là, peut-être un pouilla trop sur le marché quoi. Floride, ouais, mais ça c'est pas chez moi quoi. Ah, désolé, hein, mais bon, pétrole, hein, faut pas déconner. Hein. La position proportionnelle. Est-ce qu'il était gradué? Non.
Un suffrage des femmes, travail des enfants autorisé. C'est pas ouf en vrai. Plus d'investissements sur l'éducation, c'est pas mal. Un peu moins de mortalité. Allez, on va faire le. On va dire école primaire obligatoire. Franchement. On est des bons dirigeants, on promulge l'école primaire obligatoire. Ok, on annexe une grande partie. Hein. On annexe un continent entier, mais bon, ça c'est. Ils font partie de notre territoire au final, donc ils ont le droit à l'école primaire, ils vont avoir le droit. Ça qui est beau, c'est que là ils sont hop, eux là ils sont à peine venus là, et hop, dans l'Ouganda, ils ont déjà l'école primaire obligatoire. C'est fou. Et ouais. Là les mecs, là, ça y est, là, la rentrée, là, c'est faite, là, hop, c'est bon, ils sont à l'école. C'est magique, hein. Si seulement ça pouvait durer. D'assaut disponible. Oh. Un petit lance-flamme, oui. C'est vrai qu'on a l'infanterie mécanisée après. Hein. Mais là, ça coûte cher. Ça rajoute quelques stats d'attaque, pas mal de stats d'attaque même. Moins de perte de morale. Le taux d'entraînement il baisse? Ah ouais, le taux d'entraînement baisse, tiens, c'est étrange. Ok, pourquoi pas, bon. Ok, il manque porte-avions. Porte-avions, ça va nous donner quoi la différence entre ça et ça? Moins 10 au taux d'entraînement, bah. Et je comprends pas. Plus d'attaque, plus de défense, c'est bien, mais. Pourquoi ça me fait baisser le taux d'entraînement? C'est ce genre de truc, c'est chelou quand même. J'ai un peu du mal. Faible accès au marché, l'Ouganda. Ah oui, on va vous faire des voies ferrées. Oh, c'est quoi? Ça a été développé comment ça? Non mais. Ça on n'en veut pas, ça on n'en veut pas, ça on n'en veut pas, ça on n'en veut pas. Voilà. On va vous faire des voies ferrées. Voilà, allez planter des bananes. Ça tombe bien, je crois que je suis un peu en manque de fruits. Il me semble hein, ouais, qu'il y a du manque de fruits. Hein. On manque de vin aussi, bon bah touche des pochetrons. Tous des pochetrons. Voilà. C'est au Cameroun. Je sais pas si je peux faire du vin avec du. Non, pas avec le millet apparemment. Ce serait que avec le blé. Ouais. C'est dommage, le millet ne me rapporte pas de. De blé, vu que je produis pas tant de blé que ça non plus. Peut-être ici, non, ça doit être ici. Ouais, mais là, c'est pas encore à moi ça. Là, il y en a des cultures de blé, ouais. Je peux faire quelques cultures de blé ici. Hop. Si je mets pas d'engrais. Je dis du vignoble. Ok, il est utilisé des cultures pour ne pas faire du vin. J'ai jamais vu ça. M'étonne, les premiers colons, quand ils sont arrivés, ils ont fait ça. C'est quoi ce bazar? Il y a un terrain, il n'y a pas de vigne. Comment se fait-ce? C'est une calomnie, c'est une hérésie. Oh, j'y vais. Ça me fume. Ok. On va prendre le Zanji. Ça a augmenté de 15%. Ça a fait plus. Oh, deux fois plus 15, c'est bien ça. De la chance. J'ai de la chance. Le zombie, la colis, la cholie. Je sais pas comment ça se prononce, vous m'excuserez. Et j'irai sur Portugal en avril 1909 et il me semble que la trêve finit en le 11 octobre. Ok. Peut-être aller sur la Transvaal avant. Ou plutôt aller sur l'anglais avant. L'anglais, plus vite c'est fait, mieux c'est. C'est combien le 12 juin? Ouais, on va aller sur l'anglais. À foncer sur l'anglais en premier lieu. Ça veut dire à cesser de dégrader nos relations. Bah oui, en même temps. Je pense que là, personne.
Je suis Calimero, personne ne m'aime. On se demande pourquoi. Transvaal. Non. Ça m'intéresse pas, c'est gentil. Surtout que si je passe dans ton camp, après je t'annexe. Hein. C'est pas vrai. Il y en a qui ont les cacahuètes entre guillemets pour venir, dit. Je pensais pas. Les géants de la mer. Plus 10% de production de... Ouais, c'est bien. Hop, on a ça, on va pouvoir augmenter. Ça coûte quand même 1000. Oui, c'est parfait. On va augmenter les institutions donc d'éducation et de mortalité. Ça nous augmentera l'assimilation. Les groupes sociaux étrangers dans la culture sont acceptés dans les pays dans lesquels ils vivent et n'habitent pas dans leur patrie. Ils peuvent assimiler une des cultures principales de leur pays. Voilà. En coubant. Bah, c'est toujours pas chez moi. Hein. Ah, il y a du pétrole qui se découvre, mais alors c'est pas chez moi. C'est triste. Voilà. Dans une vraie partie, je vous conseille d'aller prendre là, toutes les régions par là. Même un peu la Perse. Ça vous rapportera énormément de pétrole. Et également au niveau du Venezuela. On a beaucoup. Si vous êtes les États-Unis d'Amérique, il y en a pas mal. Si vous êtes au niveau de la Russie, il y en a pas mal. L'Autriche, il y en a pas mal aussi. Mais c'est une ressource importante. Hein. Là, on va dire mon développement est un peu bloqué du fait que je manque de pétrole. Il y a énormément de choses qu'on peut faire avec, mais là, j'ai pas. Mouvement fasciste, la petite bourgeoisie. On va retirer 20% dynamiste, de dynamique. Putain, Azerbaïdjan, c'est toujours pas chez moi. Vous voyez hein, tout le pétrole là qui est découvert. Si je vais dans le marché. Ici, ici, je regarde les potentialités. Là, on a une grosse partie au niveau de l'Oural. Perm? Ah non, ça contourne l'Oural, ok. Autour de l'Oural. Une grosse partie autour de l'Autriche, avec la Valachie, la Galicie et la Moldavie. Un petit peu ici, mais c'est pas non plus tant que ça. Et là, en fait, tout là, ça n'a pas été découvert, mais il y en a une chier. Et il y en a pas mal en Pérou, Bolivie, ils en ont mis. Ah ouais? Ok, on a pas mal aussi en Afrique, en Amérique du Sud. Bon, et là, je vous fais pas de dessin, hein, Canada et tout. La vache. Pardon? Tant que ça? 38? Mon Dieu. Allez, vous en avez un petit peu en avare. Vraiment pas grand chose, une dizaine. Puits de pétrole découvert en Zulia. Ouais, bah tiens, puis quand je le dis. 31 puits de pétrole ici, ils sont pas mal. Hein. Ok, là c'est pas moi, ça stoppe, mais c'est pas moi, j'ai rien fait, je le jure. Monsieur le commissaire. Sur la tête de ma mère. Ah, des mosquitos. Ça me fume ce nom-là, quand même. Et le royaume des mosquitos. Le royaume des moustiques. Avec ce marché en Ouganda. Concord. Alors, on va leur rajouter 2 voies ferrées, hein. Y'a quoi d'autre, ça on s'en fiche, ça, ah, on s'en fiche, ça comme d'hab, ça ok, attaque de l'agitation, Darfour, Bakongo, ouais, oui, mais je donne, il y a de l'agitation hein, due à la conquête. Ce que je peux faire, c'est rajouter. Déjà, on va les incorporer. Je pourrais faire une répression violente, mais. Ouais, au cas où, ici, je vais quand même faire une répression violente. Parce que je viens de conquérir l'entièreté, là, avec plein de petits pays. C'est reparti de l'Ouganda, ça, je pense. Tâche de l'arc, ouais. Ouais, c'est à l'Ouganda. Donc là, je possède l'entièreté de l'Ouganda, ça, c'est bien. Zanzibar, oui, et nord de l'Angola. Parfait. Alors, on va aller chercher ce petit territoire britannique. On va aller chercher le Congo britannique.
Hop là, conquérir l'État, voilà, je demande pas plus. Y a pas un truc que je pourrais faire pour lui en prendre plus d'un coup, là il va falloir. Hein. Si je lui dis. Peut pas lui dire libérer un pays là dès le début là, c'est que de les conquêtes. Oh purée, je peux en faire un pays fantoche. C'est même pas si cher en plus. 189 amis. Ça, c'est que dalle. Alors, est-ce que je peux lui dire libérer, 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 libérer un sujet? Je peux pas. Instituer un état, un plein. On peut pas lui dire de libérer un pays, purée. Je peux l'annexer et lui prendre ses territoires, mais je trouve pas ça ouf, quoi. Transfert insuné. Ah, le Raj britannique, il est plus. Ah, c'est devenu la compagnie des Indes orientales. Ouais, dommage. Ah, tu m'étonnes qu'il soit pauvre maintenant. C'est vrai. Conquérir l'État, hein, j'ai pas le choix. Mais il va être très inquiet dès le début, hein, je suppose. Inquiet, ouais. Parce que là j'ai encore 6 territoires à lui prendre. Et si je mobilise pas là? Moins 120? Mais même les petits pays étaient moins inquiets ici. Même les petits pays de l'Ouganda étaient moins inquiets. Mais c'est quoi votre délire, les gars, là? Ah ouais, non mais il flippe, hein. Là, il me voit, il me flippe, il n'en peut plus. Ok, en Nouvelle-Afrique, il y a. Ce cassette partout. Oh là 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 là, c'est magnifique de voir ça. Regardez, oh, c'est génial. Et Portugal, hein, c'est bientôt. Conquérir l'État. On pourrait quand même en faire un fantoche. Un peu cher. Surtout que j'ai que 3 États à lui prendre là. Allez, on prend un petit dernier territoire pour cet épisode. Le Zambézi. Quoique, as-tu fait un port quelque part en Zambézi? Nulle part. Ah ouais, bon, les États, ils sont même pas aidés. Hein. Un esprit absent, il doit avoir un médecin. Absolument. Plus grand monde le soutien de portugais hein, de cette Europe. Ah si! Les Moros. Elle va être cliquée par là, les Moros. Bingo. Bah j'ai mis pile la souris dessus au premier, j'ai eu de la chance. Ce sont des Moros, ce sont des Philippins, normalement. Enfin, c'est dans le coin quoi. Oh bah oui, tiens, on va baisser les. La meuf, c'est ça. Et voilà, on a récupéré un petit territoire ici. Trop, trop facile. Allez, celui-là aussi. Non, ouais, celui-là parce que. Oh, ils sont plus forts, militairement parlant, que la Grande-Bretagne. Non, mais sans blague, hein. Alors, peut-être pas sur le nombre de conscrits, mais regardez l'information là. 35 plus 50. 23 plus 186. De base, ils sont badass, quoi. Attends, j'ai fait quoi? Ah, j'ai fait. J'espère que j'ai fait annexation. Fantoche. Parfait, parfait. Les Dahomey, ils n'iront pas les aider. Hein. Alors,
peuvent se mettre le doigt là où je pense, hein. Désolé si ça fait mal. Dans l'œil évidemment. Je sais pas si vous êtes déjà mis un doigt dans l'œil, mais c'est pas agréable quoi. L'Italie, hop. On ne le faites pas. Hein. Croyez-moi sur parole. Quand je vous dis de mettre un doigt dans l'œil, ça fait mal, croyez-moi sur parole. C'est tout. Ontario, ouais, non, Ontario, ouais, c'était un peu la valachie, ok. Le verre est. Oh non, le verre c'est bon. Les outils, on va faire quelques outils, tiens, allez, c'est vrai. On a ce qu'il faut, et au niveau de l'acier, on a. Oh, on va faire 20 acier. Et voilà! On a un nouveau. Et ta client. C'est magnifique. Ça avance bien, hein. Ça a bien avancé. Là, on a retiré là, pas mal de pays de l'Ouganda et du Tanganyika. Enfin, on les a conquis, surtout. Ouais. On a récupéré la Zambésie, on a récupéré encore un petit territoire là au niveau de l'Angola, je crois, au Congo, je sais plus, qui appartenait aux Anglais. Bah, on a fait une belle partie. Hein. Épisode prochain, je pense que j'irai prendre le Transvaal. Et là, tous ces petits états là. Alors, lui, je vais pouvoir le récupérer d'un trait, lui en deux parce qu'il a deux parties, lui en deux également, lui en deux, d'un trait, lui en un seul. Un seul et un seul, ok. Ok, donc on ira faire un tour en Éthiopie, je crois que c'est comme ça, c'est dans le coin. Je sais plus comment ça s'appelle, mais... Ouais, pour moi c'est l'Éthiopie. Une fois que ce sera fait, si l'épisode a encore un peu de temps, on ira prendre là ces petites... pays là, peut-être la Tripoli, alors peut-être Tripoli en premier parce que je sais que normalement il y a pas mal de pétrole dans le coin, et je vais passer à côté, le Tchad aussi, il doit y avoir du pétrole, donc hop, je vais faire un, alors ça dépend, est-ce que je joue le beau jeu, et là je retire tout ça, là, je garde le l'Oyo, le Bénin, non je garde le, on va dire soit le Bénin soit l'Oyo, avec le Sokoto, le Baguirmi, le Wadai et Tripoli. Ouais mais non ce serait non bah c'est quoi, hop, on va faire comme ça dans ce sens là et ce sera pas mal. Voilà, donc je vous remercie à tous de m'avoir suivi. J'espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour le prochain épisode. C'était Tchob. Ciao!